Bonjour. Aujourd'hui, on va étudier une nouvelle opération. Alors, voilà la situation que je vous présente. J'ai des crayons. Il y en a 19, vous pouvez les compter. Ces crayons, je dois les répartir entre mes 4 amis qui sont là. Et pour cela, comment je peux faire? Tout simplement, une méthode très simple, c'est de les répartir un à un. J'en donne un à chacun. Puis j'en donne un deuxième à chacun, puis un troisième. Il m'en reste encore pas mal, je peux continuer à en donner. Et là je me rends compte qu'il m'en reste que 3, si j'en donne encore un de plus à chacun, si j'essaye d'en donner un de plus à chacun, je ne peux pas, le quatrième n'a pas de crayon, donc je peux pas faire une répartition égalitaire. Bon, c'est assez évident, il me reste 3 crayons, j'ai 4 amis, voilà, je peux pas les distribuer, c'est logique. Alors, ce qu'on vient de faire là, c'est ce qu'on appelle une division, et une division euclidienne. Une division euclidienne, c'est une opération qui représente une situation comme celle-là, où je répartis un ensemble d'objets, mes 19 crayons, entre plusieurs groupes de façon égalitaire, et je considère les objets qui me restent, les objets que je ne peux pas distribuer. Et je compte ce nombre d'objets que je ne peux pas distribuer. Alors forcément, le nombre d'objets que je peux pas distribuer, le reste qui est là, il va forcément être plus petit que le nombre de personnes, que le nombre de groupes que je fais, évidemment. Alors, bon, ça paraît très simple, hein, ça c'est évident, mais c'est très important de comprendre que une opération en mathématiques reflète, traduit, représente toujours une situation réelle. Alors, on va revoir rapidement les différentes opérations que vous connaissez déjà. Si j'ai un certain nombre de crayons au départ, la situation est la suivante, on m'en rajoute quelques-uns, et je veux savoir combien j'en ai au total. Eh bien, je dois faire une addition. Si, dans l'autre sens, j'ai un certain nombre de crayons au départ, et on m'en retire quelques-uns, je veux savoir combien il m'en reste. Eh bien, je fais une soustraction. Si j'ai 3 groupes de 4 crayons, et je veux savoir combien j'ai de crayons au total, je dois faire une multiplication. Et donc, dans la situation que je viens de représenter, j'ai un certain nombre de crayons au total, je veux les répartir en 4 groupes, et je veux savoir combien chaque groupe contiendra de crayons, et combien il me restera de crayons que je ne peux pas mettre dans le groupe. Ça, c'est ce qu'on appelle une division, et c'est une division euclidienne. Alors, vous avez remarqué que à chaque fois, la question qu'on se pose, c'est une situation, et je veux savoir quelque chose dans cette situation. Et à chaque fois, on utilise une opération qui nous permet de trouver la réponse à cette question, la réponse à combien j'ai au total, ou alors combien je mets à tel endroit, etc. Alors dans une situation comme celle-là, où j'ai 19 crayons et 4 personnes à qui les distribuer, c'est très facile, évidemment. Et on n'a quasiment pas besoin de faire une opération, vous voyez, on peut les répartir comme ça. Mais imaginez qu'au lieu d'avoir 19 crayons, j'ai un trésor. De 2587 pièces, cette fois je vais pas vous demander de les compter, ça va être beaucoup plus long et beaucoup plus fastidieux de les distribuer une à une entre chacun, pour compter combien il m'en reste à la fin, etc. Là, ce serait vraiment trop long, donc non, on va pas faire ça. Et c'est pour ça qu'on va avoir besoin d'utiliser une opération pour aller plus vite. Et alors maintenant, dans la prochaine partie, on va voir comment on représente cette opération.